that ceiling collapsed, we'd be buried alive. What are you saying stuff like that for, Estelle? What if that really happened? Come on, don't be such a wimp. These ruins are made of stronger stuff than that. Ah! Estelle! Now the ceiling's gonna collapse because you were talking about it! Huh? No, sorry, I just stubbed my toe on a rock. You did that on purpose, didn't you? Yuri, you're mean. Come on! Let's hurry and finish up what we're doing so we can get out of these ruins. Ah, Yuri, j'aime quand tu fais le troll. Ah, bah écoutez, j'ai tabassé ce truc, encore que non, je dois avoir d'autres occasions, donc j'ai juste essayé d'avancer un petit peu, parce que je passe toujours 10 minutes à parler, à parler, à parler, je fais rien. Donc bon, ah, ça l'a mis en colère au lieu de l'étourdir. Donc bonjour tout le monde. Bon, apparemment ça marche pas sur tous, c'est peut-être parce qu'ils sont faibles au feu. Ah, et là ça l'a complètement étourdi, mais apparemment Sidebox est gigantesque. Tant bien, bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Tales of Vesperia. Dans le présent épisode, nous... Qu'est-ce que tu visais, Rita? Apparemment, elle visait l'eau. The cry of victory. Repeat. Donc, dans le présent épisode, nous avons rencontré Rita Mordu, enfin ça c'est dans le présent, mais bon... Et celle-ci nous a suggéré qu'on aille ici dans les ruines pour essayer de trouver les fameux voleurs de Blastia. Parce que si elle prouve que ce sont d'autres qui ont volé, apparemment signifie qu'elle-même n'est pas une voleuse. Ce qui me semble être une logique bizarre, mais je ne vais pas la remettre en cause. Parce qu'elle possède de la magie et elle peut me cramer la face. Je pense que c'est mieux pour moi. Zut, oh, putain. J'espère rencontrer d'autres noctules, chauves-souris ou choses, parce que... Je veux dire, je les ai zappés en mode j'en trouverai bien ailleurs, et il me semble que j'en trouverai ailleurs, mais ça m'ennuierait que... Ce soit pas le cas, bref. Et donc, nous sommes venus jusqu'ici dans l'espoir de pouvoir trouver ces fameux voleurs. On a obtenu l'anneau du sorcier. Et Estelle a gagné un niveau. Quick. Mais non, ça marche pas. Ah, donc là, actuellement, on essaie juste de trouver un moyen de progresser, ce qui implique de chercher ces espèces de machins, leur tirer dessus avec l'anneau du sorcier et d'activer ainsi des passages. Donc ça reste une zone relativement simple, hein, je veux dire, vous baladez, vous tirez sur des choses et ça ouvre des ponts, apparemment. Parce que là, de toute façon, on ne peut pas y aller, c'est fermé. Alors, ça paraît bizarre qu'on soit obligé de tout rouvrir comme ça, ça paraît encore plus bizarre qu'il y ait des coves dans tous les sens, mais... On va dire que c'est normal. On a obtenu une arme pour Repeat, mais je doute de lui équiper tant qu'il n'a pas fini d'apprendre toutes ses autres compétences, techniques, choses. Mais on peut au moins y jeter un coup d'œil. Non, ça c'est les armes. Oka, un tout petit peu plus puissant, mais ça lui fait perdre un petit peu d'agilité. Ça lui donne recul et esquive. Mais son actuel, vous voyez, il n'a pas encore appris lanceur-objet et pro-objet. Et comme je l'ai dit, il vaut mieux finir d'apprendre d'abord. Y a rien ici, donc on va juste l'ignorer. On va se contenter de descendre par là, et voilà une noctule que je n'esquiverai pas. Donc mon plan était parfait. Ok, bon, je suppose que cette fois-ci c'est moi qui vais l'utiliser. Donc ce sont des noctules. Résistance aux ténèbres, faiblesse à la lumière, c'est bien, c'est des trucs qu'on peut pas utiliser. Waouh, ils sont rapides, dis donc. Vous savez, d'habitude, les ennemis volants, l'un des avantages à les affronter, c'est qu'il vous suffit de les faire tomber au sol et ils mettent 10 ans à faire quoi que ce soit, puisqu'il faut qu'ils se ramènent en l'air. Je me souviens de la Wyvern, ou la Vouivre, plutôt, dans Symphonia, vous les ameniez au sol et vous tapiez, et vous pouvez jamais remonter en l'air pour frapper. Et 3 loups magiques. Pas mal. Erita, tu devrais te montrer plus intéressé par tes gains de niveau. Nous avons obtenu une chaîne. Donc voilà son autre type d'arme qui est donc davantage basé pour les un petit peu plus dégâts physiques, voyez, mais enfin elle gagne beaucoup plus en attaque personnelle qu'en attaque magique. Fatalement c'est mieux, peu importe, enfin c'est mieux sur tous les points que l'écharpe, mais elle a pas fini d'apprendre garde magique et ça se donne récupération et pour une raison quelconque force. Ah, comme vous vous en doutez, force je m'en fiche. Pâté, mauvais bouton, je vais les inverser jusqu'à la fin des temps. Mais ouais.
Donc bien entendu, ce truc est cassé, de sorte qu'on peut pas y accéder de port ici. Hein. Je veux dire, ça serait trop pratique. Mais on peut atteindre ce coffre désormais. Et je crois que ce coffre, vous pouvez le rater si jamais vous y faites pas attention. Donc méfiez-vous. On peut aller par là. Et je ne veux pas aller par là. C'était au cas où vous saviez, on activait un truc pour ouvrir la porte là-bas. Mais peut-être que c'est pas cette porte qu'on doit ouvrir. Bon, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on l'ouvre. Je sais pas, Mais je veux récupérer cet objet avant toute chose. Le problème, c'est que là, le golem, je vais pas pouvoir l'éviter. Il est en plein milieu. Tant bien, on va lui casser la tronche. Oh, wow! Ça fait beaucoup de monde. C'était un combat lien ou c'est juste que j'ai pas été... ou c'est juste là, pour le coup, j'ai vraiment eu beaucoup de monde. Voilà. Vous m'excuserez si je suis pas très très bon avec Ripid. Là, vous voyez, par exemple, tenez, il est tellement petit que lorsque cet adversaire s'est mis à tournoyer sur lui-même pour frapper, bah, j'ai pris 0 dégâts. Ok, plein de trucs qui sont appris. Donc déjà, Ripid a appris pro des objets, mais il manque encore un petit peu pour lanceur d'objets, donc je vais continuer. Toi, t'as fini avec récupération et esquive, donc on va pouvoir t'équiper à ta meilleure arme. Donc voilà, on peut le constater. Ce qui est bien, parce que je veux dire, entre la hachette et la rapière, il y a quand même pas photo. Elle a fini tout à prendre, mais j'ai pas de meilleure arme à lui donner. Toi, t'en as encore pour un moment, et toi, bah, j'ai rien de mieux que le maillet, j'ai en plus un, et t'as encore un petit peu à faire avant d'apprendre ça. Pour toi, je pense qu'on va te laisser tout ça, de toute façon, mais à terme, ouais. Bah en tout cas, elle s'est montrée que quand elle dit un truc, c'est vrai. Ok d'accord. Je me suis planté. Genre dans les grandes longueurs. Mais au moins, il y a eu plein de trucs. Donc c'est pas si mal. Bon d'accord, ok, je te tue. Je me disais à la base, je vais le couper, je vais enfin me mettre à couper les combats parce que... Mais apparemment non, puisqu'il vient d'apprendre une nouvelle attaque qui est le Crow Punity. Et il a appris force, mais c'était assez prévisible. Donc, Crow Punitif. Tournement latéral et taillade avec des ennemis avec un petit couteau. Il n'y a pas grand chose à dire, en toute honnêteté, il tombe sur lui-même. Mais apparemment, c'est cool. Ok, donc je suis complètement planté de chemin, ce qui fait que tous les ennemis que j'ai esquivés, je les affronte. Je peux pas dire que je me sente très très malin maintenant, mais tant pis. Ben, l'idée c'est d'éviter les monstres. Qu'est-ce que je fais? Je me retrouve à tous les affronter. Ah, ils comptent comme étant... Ah, je pensais qu'ils étaient complètement en stase et que j'étais pas obligé de les affronter du tout. Bon, moi, ils sont que deux. Et je leur fais très très mal. Ouais. Bref, nous avons là-dedans une épée longue. Pourquoi pas. Épée longue, un petit peu plus puissante, un petit peu plus de défense, puisque ben, c'est ce qui est équipé dessus, et moins d'agilité. Épée ordinaire, mais difficile à manier, ancien matériel officiel des chevaliers, donc un chevalier l'a oublié ici, je suppose. Garde critique, défense, bonus, donc c'est pourquoi pas, mais bien entendu, on va pas lui équiper maintenant, puisque il est actuellement en train d'utiliser la rapière, et j'aimerais qu'il finisse de... bosser avec. Et idéalement, je vous conseille de privilégier les armes un petit peu plus faibles parce que ben c'est mieux de grimper en puissance au fur et à mesure plutôt que de prendre l'arme forte puis redescendre en sur l'arme faible. Après, t'es étourdi. En couloir, dites donc. Une grande hache. Il me semble que ça, c'est une arme pour... Ouais, c'est pour Carole.
Ça lui donne garde critique, mais il n'a pas fini avec coup marqué, donc il attendra plus tard. En fait, ouais, donc il y a plusieurs options que vous pouvez avoir lorsque vous utilisez l'anneau du sorcier sur les monstres. À savoir, donc, vous pouvez les étourdir, vous pouvez les figer sur place et vous pouvez les... Alors, voilà, ok, lui, il est bleu et il doit vous soigner. Simplement en passant dessus, en plus, c'est pas mal. Notez qu'ici, dans cette zone, on pourra y aller plus tard, mais genre beaucoup plus tard. Il n'y a pas grand-chose, en fait, là-haut, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'important. Mais ouais, donc je vais sauvegarder, cependant. Mais je crois qu'il s'en va pas en fait. Donc je suppose que les bleus, c'est ceux qui vous soignent. Les rouges, c'est ceux qui sauvegardent uniquement. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une distinction donc, entre ceux qui restent là et les, enfin, les temporaires et les définitifs. Raté, je finirai par ne pas me tromper. Donc là, on en a un qui est pseudo-dissimulé et qui est important de faire. Et on a un gros truc au fond. Sûrement quelque chose d'amical. On voit aussi qu'on va avoir une sacrée série de golems qui nous attend. Toi, on s'en fiche. Toi, on va aller t'activer puisque t'es sur notre chemin. Toi, je peux pas t'éviter. Bien. Alors, j'espère que ça se passera bien pour le boss puisque... Ouais. Donc, on va ouvrir ce passage, mais malheureusement, seulement un tout petit peu. Et il n'y a rien ici, là. Apparemment pas. Même si en montant, on a cette espèce de d'aura qui... Ah bah non, ça devait venir de ça alors. Bon, peu importe. Ce truc est gros. J'espère qu'on n'aura pas à l'affronter. Tous. Donc on peut aller là-haut et cette fois-ci, on a un coffre. T'es étourdi. Gelé d'orange. Donc non, je vais pas m'en servir, mais comme vous pouvez le constater, ouais. Cependant, je suis de gens, vous savez, à préférer ne pas laisser des coffres en arrière. Donc, je préfère utiliser une gelée d'orange, même si c'est du gâchis, que la laisser en arrière, parce que je sais très bien que j'oublierai. Bon, j'étais peut-être un peu trop réparti, les Gugus. J'avoue. Oh, ça, c'est cool. C'est une de ses meilleures attaques. Mais bon, au moins les combats sont rapides. C'est l'un des intérêts du New Game Plus avec l'expérience boostée, etc. À terme, je vous jure que ça va commencer à se calmer un petit peu. Mais c'est vrai que ces donjons tendent à être pas très très larges et j'ai du mal à éviter. Et en plus, après, je me dis, oh tiens, il faut que je retourne en arrière et je raffronte tout le monde parce que je suis nul. Mais bon, c'est comme ça. Mais au moins, ça accélère les combats et ça me permet de faire les choses vite. Donc on va activer ce truc là pour qui est notre dernier en fait. Et ça va normalement voilà activer toutes ces saletés de golem. Et c'est tout. Laisse-moi tranquille. Y a rien ici, non, mais au moins on est caché. On peut étourdir les golems, ce qui est plutôt surprenant considérant leur taille. Mais ouais, et puis... Quoi? Ok. Ok, pourquoi pas. Donc j'ai voulu essayer de l'éviter, mais malheureusement je l'ai touché. Et apparemment j'ai réussi à le toucher dans le dos. Dans mon dos. Mais lui aussi je l'ai touché dans le dos. Donc j'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est bizarre. Et il apprend le... Je n'ai pas trop vu quel le nom que c'était, mais... Après il donne des choses ces trucs. Parce qu'à terme il faudra probablement que je vienne ici et les affronter pour les obtenir. Et l'autre il se... Quoi? Bon, d'accord. Il est tout seul en plus. C'est bien. J'ai parfois du mal à enchaîner les techniques avec Repeat. Recover. Ça, par contre, c'est bien. Bon. Que j'essaye quand même de faire quelques petites choses. Donc, toi, t'as un appris de nouveau. Lui, il a eu le champ de destruction qui est de type feu. Et qui est vitesse liée à la distance de l'ennemi. Ok, la description est bizarre, mais c'est une très très bonne technique. Par contre, elle coûte relativement cher, hein, je veux dire 12. C'est pas à spammer. Récupération, ça retire les affections physiques, donc la paralysie, j'aurais imaginé le poison, les trucs comme ça. Donc c'est très très bien à avoir.
Et lui, il a... Waouh, il a que deux techniques pour le moment, mon pauvre Carole. Il a appris Roche Destructrice. Ma connaissance, c'est vrai qu'il gagne des niveaux, mais comme il n'est pas en combat, je sais pas si ça n'empêche pas de gagner ses techniques. Et celui-ci semble relativement buggé. Je sais pas, regardez-le. Ok. Bon, je ne savais pas, mais apparemment, c'était une mauvaise idée. Bah, il bougeait pas, je me disais peut-être que peut-être qu'il est bugué, ou peut-être qu'il est super malin, ce truc. En fait. Ah, il fallait le vaincre, d'accord. D'accord, bon, donc c'était pas inutile. C'était pas bugué, c'était juste pour vous montrer que celui-ci, il fallait le vaincre. Ou alors il fallait tous les vaincre. Peut-être que je les ai tous vaincus, donc à ce moment-là, ouais. Donc, Repeat a fini d'apprendre son dernier truc sur le Caracas et plus 1. Donc, je peux lui équiper ça pour qu'il puisse commencer à récupérer la chose. Lui, ça avance bien. Elle a tout fini, mais j'ai rien de mieux. Elle est en cours. Et lui, il a presque fini avec coup marqué, mais pas tout à fait. Donc, on va aller quand même réclamer notre prix, qui est un stylet. C'est trop stylé, vous savez. Ouais. Est-ce que... Ouais, elle peut. Donc ça lui donne recul et esquive. Ah d'accord, lui il peut pas. Donc c'est vraiment que pour elle, ce qui est parfait. Ça baisse un peu son attaque magique, mais elle a pas d'attaque magique, elle a juste les soins. Ça augmente même pas mal son agité, son dégâts. Ça va. Et puis de toute façon, recul, esquive, tout ça c'est toujours bon. Ah, cependant, je pense que je vais retourner sauvegarder. Voilà. La raison pour laquelle je veux sauvegarder, c'est parce qu'on a un boss, et comme j'ai activé toute la zone, etc. Je préfère éviter. La véritable raison, c'est parce que je veux le tuer d'une manière spécifique, car il y a une mission secrète contre lui. Ouais, désolé si je me montre pas particulièrement subtil vis-à-vis du fait qu'il y a un boss dans les lieux, mais je pense que c'est assez prévisible. Je veux dire, ce gros machin n'est pas là pour rien. Donc, pour ce combat, je conseille Repeat. C'est pour ça que je continue de le contrôler, parce qu'en tenait, j'aimerais bien passer à un autre personnage. Je pense qu'après ça, je joue un petit peu Carole et c'est Repeat qui prendra un petit peu de temps mort. Estelle est toujours utile puisqu'elle soigne. De toute façon, Rita est utile parce qu'elle tape à distance et le boss est gros, lourd et va pas bouger très vite, donc elle pourra lui faire du dégât et du dégât. Je conseille le mode normal minimum, voire même le mode difficile. J'ai pas souvenir qu'il soit si dur que ça, même s'il fait bobo, mais il, vous voulez qu'il ait des PV pour sa mission secrète. Hey! Jeez, what is this thing? So this is a Blastia too? But what I want is the Aqua Blastia, not this puppet. What are you doing? Don't just go poking at him like that. Le truc est massif, dites donc. If I can just analyze him, I'll finally be able to complete my anima formula. Huh? No, his Blastia core is missing. Rita, looks like one of your friends is here. Hey, who are you? Me? I'm just a Blastia researcher from Ospio. That sounded convincing. And just who are all of you? This place is off limits, you know. I think you just gave yourself away. I don't know who you are, but you're definitely not from Ospio if you don't recognize me. Yes, she's got no problems with modesty. Yeah, this job is just full of problems. If it's not the knights, it's a bunch of kids. Ah, it's moving! Rita! Ouch! Let me see. I was just trying to heal your wounds. Hey, you guys! Stop playing around and help us! Ugh. Alright, alright. I'm going after that idiot. You all take care of this. What do you mean you'll leave it to us? How are you gonna get through? Oh, that idiot! I guess we've got no choice but to play with this wind-up toy for now. Let's get this over with and go after that jerk.
Et voici un gros machin. Ceci est Goliath. A beaucoup de vie, je veux dire 20 000 PV déjà, c'est quand même plutôt énorme. Beaucoup de PM, mais on s'en fiche de ça. Grosse attaque, grosse défense, défense magique inexistante, aucune résistance, aucune faiblesse particulière. Alors, comme vous devez le constater, ses jambes sont légèrement différentes. Il y en a une qui est toute petite, enfin, qui est plus petite et qui a une espèce de cristal qui brille dessus. C'est celle qui va nous permettre de faire sa mission secrète. Ce que vous voulez faire, c'est déjà qu'il arrête de me suivre. Je conseille Repeat, surtout parce qu'il est super pratique contre ce boss, il est petit et passe bien. En gros, à certains moments, il va se mettre à faire une attaque où il va croiser les bras devant lui. Et faire une espèce de X brillant, etc. Et elle a appris champagne. C'est la fête, les gens. Ouch. Oh, il a fait mal. J'ai été trop lent. Donc là, vous voyez, quand il fait ça, vous voulez attaquer sa jambe derrière, puisqu'elle brille, justement. Et si vous le faites, il va tomber au sol et ça va vous faire la mission secrète. Le problème, c'est que j'ai été trop lent. Oh, wow, c'est beaucoup plus large que ce que je croyais. Refais ton attaque. Là, je suis désolé, c'est vrai que... Bon, d'accord. Voilà, c'est bon. Super. Donc, ceci signifie que j'ai bel et bien réussi la mission secrète. Je vous conseille très, très, très fortement Repeat pour cette mission. Parce que, en toute honnêteté, Carole peut le faire, je suppose. Mais... Holy blips. Je peux pas, il est en limite. Ok, alors, bon. Autrement, ouais, je trouve que Yuri et les autres ne sont pas très très forts pour cette mission. Mais Repeat est très très bon. Autrement, donc. Ah, il est très très lourd. Et il m'a tué Rita, puisque, ouais. J'avais pas anticipé le fait qu'il passerait en hors limite. Je savais même pas qu'il pouvait passer en hors limite, en toute honnêteté. Mais le hors limite, en gros, signifie qu'il est impossible à arrêter pour un certain temps. Et en plus, comme vous pouvez le constater, il fait très très mal. Je m'y prends très très mal moi-même aussi, mais... Waouh, il va nous wipe en fait. Estelle, tu vas utiliser une gelée de pommes sur... Waouh. Ah, oui, c'est vrai, elle n'a pas lanceur d'objets. Yuri, tu vas utiliser une gelée de pommes sur toi-même. Waouh, c'était juste. J'aimerais bien que Rita évite de rester pile à côté, mais je suppose qu'on peut pas y faire grand chose. Oui, fiole vitale, j'en ai plein. T'as combien de PV, toi encore? T'en as 1600. Waouh, il est presque mort. En parlant de presque mort, Yuri aussi. Toi, tu as utilisé une fiole vitale sur Yuri. Waouh, bon. C'était un très mauvais combat, je suis désolé. Mais c'est vrai que j'ai un peu passé mon temps à courir autour du boss. Et ça y est, en fait, il est relativement plus dangereux que je me souvenais, puisqu'il utilise beaucoup d'attaques autour de lui. Et il a une bonne portée. Et c'est vrai que je crois que j'ai pas eu de bol, puisque Rita a trouvé moyen de rester toujours proche de lui, de sorte qu'elle se faisait toucher par chacune de ses attaques. Estelle a pas vraiment réussi à beaucoup bien soigner. Je pense que lui mettre cette épée était une mauvaise idée. Il vaut mieux garder son attaque magique à haute pour ce combat pour qu'elle vous soigne bien. C'était une erreur. Mais il est tombé. Et tout le monde gagne des niveaux parce que c'est cool. Rita, hurry! All right, all right! Come on, let's go! But Flynn... There can't be many knights here if our shady friend in the cloak is just wandering around. So you think Flynn is... I don't think he's here anymore. Come on! If I just had a little more time, I could have figured out the Anima formula. Is that why we were fighting that thing? Of course. You suck!
You were already here looking for the thief. I just had you guys help out a little. Let's go, let's go. Arrêtez de parler! Et nous avons obtenu une page. C'est très certainement sur le hors limite. Sincèrement, il m'a pris perso. Je me souvenais pas qu'il avait accès au hors limite et ça fait très très mal. On va soigner tout le monde. Et je suppose d'ailleurs que je vais passer sur Carole histoire de... Histoire 2. Et toi, tu vas me donner ce truc-là. On a le fétiche de poison. Le poison, donc, le fétiche de poison vous donne aucune statistique particulière, mais il réduit de 50% les chances d'être empoisonné, ce qui est un peu nul quand même. Je sais pas pourquoi ça n'immunise pas. Mais ça vous donne aussi une résistance à l'eau. Je sais pas comment fonctionnent les résistances à l'espèce. J'ai essayé de faire quelques tests récemment, mais j'ai pas vraiment réussi plus que ça. J'aurais dit que c'est en pourcentage de dégâts et que plus vous avez de résistance, plus vous êtes résistant, mais vous n'avez pas moyen d'être immunisé ou d'absorber les dégâts, probablement parce que c'est trop abusé ou que ça rend certains boss trop simples. Ah, tu vas prendre le fétiche et puis crotte. Repeat's getting really good at handling items, don't you think? Yeah, but I don't want to eat any gels that have been in a dog's mouth. He said, come on, don't be like that. If things go bad, take it. That's one big mouth he's... Wait a minute. Did he really say that? All I heard him do was bark. Stick around long enough and you'll figure him out. Right, Repeat? You look a little jealous, Rita. No way. Ouais, bon. Juste par curiosité, toi t'as presque fini avec le comarqué. Bref, ça a pas filé grand chose. Beaucoup d'XP, mais c'est tout. Donc ouais, c'était un combat nul, mais c'est vrai qu'au final, tant que Estelle n'a pas accès à des moyens de soigner le groupe, ça va pas loin. Boum. Et voilà, tout le monde est soigné. J'ai soigné uniquement au cas où on se prenne un combat contre un ennemi normal, parce qu'ils sont tous revenus en fait. Mais ouais, donc maintenant on a juste à poursuivre ce type et puis ce sera déjà pas mal. Il a pas pu aller loin, là, la zone est blindée de monstres. Je dis ça, mais moi aussi je me retrouve bloqué contre les monstres. Oh, il passe sous ses attaques aussi. Donc j'avais dit que c'était... Voilà, et comme je m'y attendais, il apprend quelques attaques parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc il vient d'apprendre fracas de soins, qui est un peu son attaque de soins, qui aurait pu être utile contre ce boss, je suppose. Au final, c'est vrai que Rita était peut-être pas la meilleure des idées, parce que j'avais pas pensé qu'il se déplacerait à ce point ou qu'il ferait des attaques de zone aussi grosses, donc ouais. Donc il a appris le fracas de soins. Ça restitue quelques PV, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est sympa mais ça coûte assez cher. Mais ça peut aider si Estelle justement n'a pas vraiment moyen de soutenir que ça. Mais quand c'est l'IA, je suppose que vous voulez éviter qu'il l'utilise. Je sais pas. C'est assez compliqué, c'est disons que ça va pas trop avec son style de combat où il est supposé aller au corps à corps et... Mais bon. Vert. Ah, c'est peut-être pour indiquer que j'ai le niveau pour... que j'ai dépassé le niveau nécessaire pour les affronter. Ah, c'est haut. Ok. Think you can beat us with an ambush? Monsters don't think. C'est un détail. How can he just steal the core and walk off like that? Stop! Make him stop! I've only been hired to do a job. I was told to get a good price for any blastia cores I could find. You stole cores from the Imperial Capital too, didn't you? The Capital? No way, not me. Then maybe it was one of your friends. Yeah, it's that Greek, the Deki. Where'd he run off to? He's probably picking up his money from the client right now. Client, huh? And who exactly might that be? All I know is he's somewhere in Torum Harbor. I don't know any more than that. He was a huge bruiser of a guy with a scar on his right cheek and one eye missing. So is this the guy collecting all the cores? And where did you steal that sorcerer's ring? Who says I stole it? The client gave it to me, said it would be useful for this job. Liar. That's not something the boss of some pickpockets could get his hands on. Honest, you gotta believe me. This thing sounds pretty big. You think somebody important is behind it all? I think you're on the right track, Captain Carroll. This doesn't sound like some ordinary band of thieves.
Man, first the knights, then the monsters, now this. Knight? Then Flynn was here after all. Yeah, that's him. That damn knight. Shut up! Great, Rita. You knocked him out. Now what? I'll have the city guards come pick him up later. All right then, let's get back to Ospio. Et maintenant, elle a disparu, donc les bras sont morts. Dommage. Donc, on va le laisser là, apparemment dans une zone pleine de monstres, et on va juste se casser. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. On l'attache pas, on l'isole pas, on l'emmène pas avec nous. Bon courage, mec! Mais plus sérieusement, donc, étant donné qu'on a fait déjà tout ça, et c'est déjà pas si mal, je trouve, je pense que je vais retourner à Ospio, tranquillement. Il manque combien, déjà? Ça donne l'impression qu'il manque vraiment pas grand-chose. Je vais peut-être faire un ou deux combats hors cam. Non, je vais pas le faire. J'ai dit je vais pas le faire, laisse-moi tranquille, machin. Voilà. Donc, je vais rester dans les environs, et dans le prochain épisode, on retournera à Ospio pour, ben, en fait, voir ce que prévoit Rita, je suppose. Probablement faire des déclarations, comme quoi il y a ce type qui a volé les choses, et nous dire d'aller nous faire voir en enfer, puisque, ben, maintenant, voilà, on a prouvé que c'est pas une voleuse, et je suppose que Yuri devra s'excuser. Mais je vous retrouve à la prochaine fois pour qu'on voit tout ça, parce que là, ça commence vraiment à durer trop longtemps. Donc, d'ici là, ciao !